Salut tout le monde, nous sommes au Al Bayt Stadium pour vous commenter un grand classique France-Angleterre. En rugby, on appelle ça le crunch d'ailleurs. Bon, ça vous a pas échappé que c'est la Coupe du Monde de foot quand même. Je me disais bien, c'est bizarre la forme du ballon. Mais c'est vrai qu'y battre les Anglais dans une grande compétition, c'est toujours un plaisir supplémentaire. Ah, de la part d'un Argentin, ça me va droit au cœur. Et l'arbitre siffle le coup d'envoi de cette rencontre. Voici le 11 pour l'Angleterre. Dans le but, Jordan Pickford, John Stones avec Maguire en défense centrale. Phil Foden sera avec Raheem Sterling sur les ailes. Et en pointe, c'est donc Harry Kane. Voici les titulaires pour l'équipe de France. Dans le but, Hugo Lloris, Raphaël Varane avec Upamecano en défense centrale. Adrien Rabiot sera associé à Tchouaméni au milieu de terrain. Avec enfin Kylian Mbappé pour occuper l'attaque aux côtés d'Olivier Giroud. Aurélien Tchouaméni. Attention la frappe. Oh, et la descente de Pickford. Un corner qui est bien ajusté. Un corner mal tiré. Et c'est facilement capté par le gardien. Sterling. Foden. Harry Kane. Oui, excellent ballon, bien donné. Avec l'interception, et le ballon est récupéré. Rabiot. Giroud. Et ballon récupéré sur cette bonne intervention. Harry Kane, bien vu la passe. Oui, mais non, ça ne profite pas en fait. Griezmann, Kylian Mbappé, Théo Hernandez. Un bon appel le long de la ligne de touche. Avec Kylian Mbappé. Excellente intervention dans la surface. Kane. Stones. Ballon pour Henderson. Oui, bien fait ça. À une frappe lourde, un peu comme vous, mais elle passe finalement assez loin du cadre. Et ce qui manque, c'est la précision, votre principal défaut. Griezmann, en direction de Dembélé. Le ballon pour Kylian Mbappé. Tentative renvoyée par la barre, c'est pas fini. Elle s'est renvoyée par Maguire. La passe vers Rabiot. Ouais, c'est bien lui, sa bonne interception. C'était la balle de l'extase. Regardez, très bon mouvement là. Et c'est encore le montant, c'est pas fini. Oh, c'est bien défendu. Et un corner pour éventuellement prendre l'avantage dans ce match. Et c'est joué par Mbappé. La défense éloigne le danger sur ce corner. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Harry Kane. Phil Foden, la passe en profondeur et la prise de balle dans la profondeur. Et oui, le premier but dans ce match, Raheem Sterling. Un, deux et trois dans la course. L'une d'eux, c'est un dialogue réussi entre deux coéquipiers. C'est vraiment ce qu'il y a de plus beau. Et pour finir l'action, mieux vaut dribbler le gardien ou frapper en force? C'est la grande question des duels. Cette fois-ci, le passage en force lui a plutôt bien réussi. L'arbitre qui siffle à l'instant et indique donc la pause ici à l'Al Bayt Stadium. Et c'est reparti, la deuxième mi-temps, donc le coup d'envoi donné par l'équipe de France.
Kane. Ah, la perte de balle. Ousmane Dembélé. Foden. Ah, le ballon intéressant. Et Hugo Lloris pour ce sauvetage. Dembélé. Oh, passe dangereuse de Dembélé. Goal, 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 goal. Et voilà ce but qui vient ramener les deux équipes au même niveau. Et voilà, regardez ça. La passe vient éliminer le défenseur et trouver l'attaquant dans une position idéale. Et voilà la finition en force pour remporter son duel contre le gardien de but. C'est vrai que le bruit du ballon contre le filet, ça fait partie aussi de la joie du buteur. Et avec ce but, score de parité, un partout. Ballon pour Henderson. Oh, c'est un bon ballon ça. Ouh, la parade du Hugo Lloris. Allez, l'équipe peut jouer le contre. Pour mener. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est bien joué, qu'est-ce que c'est bien fait, quel artiste pour tromper comme ça le gardien. Sur le ralenti, on voit que la transition offensive est parfaitement réalisée. Dès la récupération jusqu'à la finition, quelle fluidité, quelle rapidité d'exécution. Et ensuite, le ballon joué d'une touche légère, aérienne, par-dessus la tête du gardien, c'est la grande classe. Goal. C'est reparti dans cette rencontre, l'Angleterre est menée d'un but. Number 10, Kylian Mbappé. Pas de faute, c'est bien défendu. Giroud. Oui, c'est un bon ballon, ça. Attention. Excellent timing à la réception. Et c'est au fond, quelle performance! Voilà son troisième but dans ce match. Une efficacité redoutable et un sens du but diabolique. Et voilà le centre qui passe au-dessus de son défenseur direct et qui va chercher un coéquipier au second poteau. C'est très bien joué tout ça. Et puis pour conclure, à la tombée, cette magnifique prise de balle, cette petite pichenette qui vient tromper le gardien. Goal. Allez, donc pour le score avec ce but, ça fait 3-1. Henderson. Ah, les transmissions sont fluides pour créer des décalages. Et ce ballon pour Kyle Walker. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Et nous voilà maintenant dans les 10 dernières minutes de jeu. Avec Kylian Mbappé. Ah, c'est bien parti. Oui, bien fait de la part du gardien. Mason Mount. Luke Shaw à la réception. Le ballon leur échappe. Et du soutien pour Dembélé. La frappe. Mais c'est capté tranquillement au final. Et on aura le droit à une petite minute supplémentaire. Nous y sommes, c'est terminé. Et direction le prochain tour de la compétition. C'est finalement une performance toute en assurance et autorité. Avec ces deux buts d'avance, c'est une qualification plutôt sereine.